Je n'étais pas revenu dans cette ville depuis ces mois de 1975 où la révolution avait fait de Lisbonne le centre du monde. Drapeau rouge flottant au vent, manifestations, murs couverts de fresques à la gloire des partis politiques, la révolution ressemblait à ce que j'avais imaginé. De ce temps passé, il ne reste presque rien. La révolution des œillets semble lointaine. Le Portugal ne fait plus la une des journaux. Après 48 ans de fascisme, 48 ans de silence, il y avait eu l'explosion éphémère de la parole. Les mots d'unité, de liberté, de construction d'une société plus juste retrouvaient tout leur sens. Mots d'amour de toute révolution, usés mais toujours neufs, comme tous les mots d'amour. Comme pour conjurer le destin, pour affirmer qu'une révolution socialiste était toujours possible, le peuple portugais reprenait le slogan de l'unité populaire chilienne qui avait disparu dans le sang un an plus tôt. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Tout avait commencé le 25 avril 1974. Peu après minuit, sur les ondes de la radio, une chanson interdite avait donné le signal du soulèvement pour les capitaines du mouvement des forces armées, le MFA. Ce jour-là, le journal Republica titre « Les forces armées ont pris le pouvoir ». Au bas de cette première page, on peut lire « Ce journal n'a été soumis à aucune commission de censure ».